Vous pratiquez du vélo, mais quand vous en faites assez longtemps, vous avez parfois mal aux fesses à cause de votre selle qui est trop dure. C'est quelque chose qui arrive souvent parce que quand on fait du vélo, c'est pas rare d'en faire plus de 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire beaucoup plus pour certains. Du coup, quand on a une selle qui est pas très confortable, c'est intéressant soit d'amener un rembourrage dessus ou soit carrément d'acheter une nouvelle selle pour changer de selle et avoir une selle qui soit vraiment confortable à long terme, sur la durée, pour vous permettre d'être plus en confort lorsque vous pratiquez votre activité donc de vélo. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous présenter le top 3 des meilleures selles qu'on peut retrouver sur le marché. Je vais vous présenter ça par un ordre de prix croissant, donc en partant d'une moins chère et une plus chère, mais bon, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de très grosse différence entre chaque selle. Enfin, c'est une selle, ça coûte pas bien cher. Il y a quelques euros à chaque fois de différence, mais voilà, ce sera plutôt à vous de voir laquelle vous convient le mieux et de la commander en passant par les liens dans la description. Donc la première que je vais vous présenter, c'est la Siosin selle de vélo. Donc ce sera la moins chère, même si, comme je l'ai dit, il n'y a pas une énorme différence non plus avec les autres. Donc une selle de vélo en haute qualité avec des matériaux vraiment en haute qualité durable, un siège qui est résistant à l'eau, qui est en cuir synthétique et en cuir artificiel, qui permet vraiment d'être résistant, mais aussi d'être complètement confortable avec un design ergonomique, vraiment un design profilé avec un design. J'ai répété 10 fois le mot design, qui est étroit à l'avant, donc pour empêcher la section des jambes quand vous pédalez, pour pas que ça frotte tout le temps, qui permettent ainsi aux cuisses de bouger librement pendant la conduite. Les impacts sont recueillis conjointement avec un rembourrage de haute qualité et deux ressorts en acier qui vont minimiser voilà tous les impacts. Donc ça va vraiment pas vous faire mal aux fesses, voilà, dès que vous roulez sur un truc voilà, qui va faire bouger le tout. Une conception creuse respirante, donc ce qui permet un petit peu de laisser plus ventiler, voilà, réduire la pression sur les parties sensibles, voilà, sur votre entrejambe, donc ce qui est normal. Une conception universelle, donc la selle qui a un système d'ajustement universel qui permet de être adapté pour tous les types de vélos, et que vous soyez une homme ou une femme, eh bien ça conviendra. Et c'est adapté à tous les types de bicyclettes, que ce soit pour un vélo de ville, un VTT, un vélo de trekking, voilà, tout ce genre de choses. Donc il a vraiment l'air d'être de très bonne qualité. Au niveau des évaluations, il y a 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 200 votes. Donc c'est bon à savoir. Il y a aussi une petite lumière réfléchissante pour la nuit. Voilà, c'est toujours bonus d'avoir ça, ce qui permet de vous voir lorsqu'il fait sombre. La deuxième que je vais vous présenter, qui est normalement est beaucoup plus chère, mais là il y a une grosse promotion, donc je vous ai dit ça fait pas trop de différence, c'est la Yungdo selle de vélo, donc qui va elle aussi être très ergonomique, où on a une selle qui est conçue avec encore une fois un devant plus étroit et un arrière plus rond pour permettre aux cuisses de bouger librement sans vous frotter l'intérieur des cuisses à chaque mouvement de pédale, et pour augmenter aussi le soutien et le confort voilà, de vos fesses avec une selle qui est vraiment bien rembourrée. Il y a aussi un trou en nid d'abeille respirant, donc voilà, qui va être intéressant pour pas que ça vous écrase tout simplement l'entrejambe. Une selle de vélo qui est en cuir, qui est résistant à l'abrasion, aux rayures, antidérapant, donc voilà, pas de risque de glisser à ce niveau-là. C'est rempli de mousse et de gel haute densité, donc vraiment, ce sera élastique, doux et voilà, adieu à la douleur. En gros, voilà, ce sera vraiment très très agréable. Donc il y a même une boule d'amortisseur à double ressort, encore une fois pour absorber les chocs lorsque vous allez rouler sur des routes où bah voilà, c'est pas tout lisse et que parfois voilà, il y a des mouvements qui peuvent faire mal aux fesses, voilà, quand on roule sur des cailloux ou des choses, des racines ou n'importe quoi qui vont faire secouer le vélo. Une housse de pluie imperméable, donc, que vous pouvez appliquer dès qu'il commence à faire pluvieux ou dès que vous voulez faire du vélo, même s'il pleut, histoire d'empêcher la pluie de s'infiltrer dans la selle, tout simplement pour la garder vraiment au top de sa forme. Facile à installer avec une compatibilité universelle sur tous les vélos. C'est encore une fois compatible à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes. Et du coup, bah voilà, je vous conseille vraiment de prendre celle-ci et de profiter de la promotion. C'est vraiment assez intéressant. Et encore une fois, des excellentes évaluations, 4,5 étoiles sur plus de 900 votes. Et la troisième et dernière que je vais vous présenter, c'est la Sco DDE selle de vélo étanche pour VTT. Donc bah voilà, c'est plus ou moins les mêmes caractéristiques à chaque fois. Je vais peut-être pas tout répéter, mais vraiment, il y a un design qui est ergonomique. Encore une fois, pour permettre aux cuisses de bien bouger, pour permettre d'absorber les chocs, que ce soit confortable même au bout de plusieurs heures, que ça vous fasse pas mal aux fesses. Une conception creuse qui est respirante. La surface qui est aussi en cuir PU imperméable, donc même pas besoin de mettre de bâche pour le coup. Si il pleut, eh bien bah c'est imperméable, donc il n'y aura pas de souci avec l'eau qui pourra tomber sur la selle. Donc c'est vraiment l'accessoire de cyclisme parfait, que ce soit pour les vélos de ville, les VTT ou voilà,
quand vous faites du vélo en forêt, en montagne, peu importe. C'est aussi une garantie 12 mois satisfait ou remboursé. Donc voilà, à ce niveau-là, vous pourrez directement contacter Amazon et si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse sans poser de questions. Encore une fois, des excellentes évaluations, 4,5 étoiles sur plus de 600. Donc écoutez, je vous mets tous les liens vers CSL dans la description de cette vidéo. Je vous laisse voir celle qui vous convient le plus et passer par le lien. Vous verrez plus d'images, plus d'informations, des questions-réponses si vous avez certains doutes. Aussi, voilà, pouvoir voir les évaluations clients. Et voilà, vous choisirez celle que vous préférez, vous la commandez, ça arrivera en quelques jours chez vous et vous n'aurez plus qu'à installer ça. C'est pas bien compliqué. Et vous aurez une selle toute neuve, toute confortable pour vraiment mieux profiter lors de vos balades à vélo ou à VTT. Voilà, j'espère que ce comparatif aura pu vous aider à faire votre choix. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, liker la vidéo. On se retrouve très prochainement sur cette chaîne pour plein d'autres comparatifs. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. À la prochaine et ciao!